Bonjour à tous et bienvenue dans ce. Ça doit être le 19e épisode sur Minimétro. Je crois que je vous avais dit que ce serait le dernier ou pas d'ailleurs, je sais plus trop ce que je vous avais raconté. Bon, toujours est-il que depuis que j'ai en gros tourné les derniers épisodes, une nouvelle carte a fait son apparition et il s'agit de Singapour. Et donc, bah, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Tout de suite, maintenant, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tac, 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 c'est parti! Ouh, ça a l'air sympa comme carte tout ça. Bon, alors comme d'habitude, est-ce qu'on va parler de quelque chose? Oui. On va parler de Cities Skylines, tiens, pour changer. Vous avez. Bon, je sais pas si quand je vais avoir publié cette vidéo-là, il y aura Cities Skylines ou pas. S'il y aura eu un épisode ou non de. N'importe quoi sur Cities Skylines déjà, d'ailleurs, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, j'avais prévu de tourner du Cities Skylines. Et. Bah non, en fait, j'ai pas fait parce que, encore une fois, je me suis dit, bon, alors voilà, le temps que je lance le jeu, il me faut une heure à peu près, allez, 45 minutes à une heure. Si je veux ensuite tourner, bah ça serait bien d'avoir 2 heures. Bah non, en fait ma soirée était déjà terminée, donc non, ça marche pas. Donc bah voilà, pas de Cities Skylines pour le moment. J'espère pouvoir avoir la foi entre guillemets de relancer ce jeu un de ces quatre, mais ça me démotive vraiment. Il n'y aurait pas ce temps de chargement, j'y jouerais beaucoup plus, c'est juste ça. Bon, la solution ce serait d'acheter un super PC. Chose que je ferai certainement d'ici quelques mois, peut-être un an hein, à peu près. Donc, il y aura, voilà. Il y a moyen que ça revienne à ce moment-là. J'ai bien conscience que c'est aussi un peu ce qui faisait marcher la chaîne, donc c'est un peu ballot de, comment dire, pas faire ça, de ne pas jouer, faire un. Jouer à ce jeu parce que c'est un peu l'ADN de cette chaîne, hein, tout ce qui est construction de ville, etc. Là, on passe sur des choses un petit peu différentes. Notamment, il y a une petite série que j'aimerais bien faire sur un jeu que j'ai récemment acheté, là, qui est en promotion sur Steam, c'est ça qui est génial avec Steam. Autant je suis pas très fan du principe, du fait qu'on ait plus les pochettes, etc. Ça faisait bien sur mes étagères, mais autant de tout le système de promotion, je trouve ça super, super chouette. Te permet d'avoir des jeux où on peut passer des dizaines d'heures dessus pour vraiment rien du tout. Des jeux comme Age of Empire, j'ai acheté avec l'extension 4 €, bon, ben, voilà, j'ai dû passer peut-être 20 heures dessus. Franchement, ça c'est vraiment génial avec Steam, mais bon, c'est pas la seule chose d'ailleurs. Voilà, donc j'aimerais bien vous faire une petite série sur Kingdom on Castle. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à Anno. Mais les toutes premières versions d'Anno, assez encore en plus simple d'ailleurs, avec un graphisme bah quelque part ça me fait penser à Minimétro, un peu minimaliste si vous voulez. Donc c'est assez sympa je trouve, à voir si ça intéresse du monde. Et mais bon, on n'est plus trop dans ce qui faisait l'ADN de cette chaîne, c'est-à-dire la construction de ville. Donc bah, je sais pas si ça plaira ou non. Je l'espère. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Alors, tiens, on va mettre un petit truc ici. Tac, tac, tac. Comme ça, c'est bon. Elle a l'air sympa. On dirait que c'est une île. Bah, ceci dit, Singapour, techniquement, c'est une île, donc ça devrait marcher. Ouais. Je pense que c'est ça. Alors, on va peut-être la pousser un petit peu au-delà de ses limites, celle-là, si on perd trop tôt. On essaiera d'aller un petit peu plus loin pour voir ce que ça donne. Pardon. De quoi on peut parler en attendant que ça se devienne un petit peu plus intéressant ici. Donc ouais, je vous avais parlé dans la vidéo de début d'année de nouvelles séries, etc. De la continuité sur Cities Skylines et tout. Mais au final, bon, bah, comme on peut s'y attendre. Ouais, c'est trop. C'est trop contraignant en fait. Moi, enfin, je fais des vidéos essentiellement pour le plaisir. Et puis, l'idée, c'est que s'il faut attendre 3 plombes avant de pouvoir jouer, ça, enfin, on perd le plaisir, quoi. C'est clair que ça a plus trop d'intérêt. Donc, bah, voilà.
Cities Skylines, c'est en stand-by pour le moment. Peut-être que un jour ça prendra. Mais bon, voilà, il faut avoir ça demi-journée et je ne l'ai pas actuellement, vu que j'ai pas mal de choses autres à faire en dehors de ça. Voilà. Donc, Bon, alors, il serait peut-être temps de s'intéresser un petit peu à notre réseau. Ça devient n'importe quoi, hein. Alors, pourquoi il met une station ici à 3 plombes des autres? Ceci dit, j'ai fait un réseau un peu n'importe comment, donc on va le modifier. Alors, j'ai pas mal de ponts, ça va être une bonne chose, je pense, bien utile. On a un carré ici, tout ça c'est des zones résidentielles. C'est marrant, on reconnaîtrait presque la géographie de la ville, avec les centres qui sont vraiment au bord de l'eau, et puis les résidences un petit peu plus dans les montagnes, etc. autour. C'est assez intéressant. Alors, on va commencer par faire une ligne ici. Là, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Paf. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, ici, le triangle, il va aller vers le rond, le rond, le rond. Tac, le triangle ici. Et ensuite, ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir une autre ligne qui passe comme ça. Qui vient ici, 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 et là, tac. Et notre dernière ligne, on va en faire, pour le moment, une sorte de cercle. Comme ceci, hop, hop, et voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Lui, il veut pas se mettre ici, là Bon, passons. Alors, là, il y a un problème, il faut... sur quelle ligne ça serait le plus judicieux? Oh, la jaune, ça pourrait être pas mal. Tac, comme ceci. Donc ça, c'est bon. Et là, on aurait besoin de transporter vite fait ces gars-là vers le triangle. Le carré. Oh, si j'arrive même plus à différencier mes formes, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, bah toi, tu vas venir là. Tac, 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 tac. Ouais, mais non, ça marche pas, ça, encore. Il y a du monde, là. Un carré à l'autre bout du monde. Non, mais c'est là qu'il faudrait le mettre. Locomotive, et on va prendre des lignes pour le moment. Bon, alors. J'aime bien cette ligne-là. Ça permet d'avoir une bonne desserte de ce coin-là. Et toi, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est un truc qui traverse comme ça. Pour le moment, on redéfera tout certainement un de ces quatre, mais alors là, ouais, il y a du monde. Alors, du coup, peut-être que toi, on va te dire de faire un petit peu moins de détours, vu que ouais, mais le carré c'est utile, le rond, bah, on n'a pas trop le choix. Alors, attends, parce que là, sinon, on va avoir un petit problème comme ça. Hop, lui, on le change de ligne. Voilà, on va ajuster ça, là c'est parfait celui-là. Oh, oh, alors là ils sont sérieux. Ensuite, alors là il y a du monde encore qui veut aller à un triangle. Toi c'est bien, tu vas transporter les carrés et tu vas te débrouiller après pour te téléporter complètement à l'autre bout. Voilà. Heureusement qu'on peut faire ça. Alors là, par contre... Ça va être peut-être plus judicieux de faire ça par exemple. Oh, on utilise vachement de tunnels. Je pensais qu'il allait se limiter à Lille parce que, ouais, si, peut-être que à Singapour. Ça... Non, faudrait regarder sur internet, sur Google Maps, quelle tête ça a comme ville. Hop, 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 hop. Donc là, il a pris un carré, là, il prend un machin. Là, toi, tu vas pouvoir aller là. Bon, pour le moment, on regarde pas trop l'économie hein, pour ce qui est des tunnels. Alors là, on va avoir un sacré souci. Parce que ouais, il y a trop de ronds qui se succèdent en fait. Il y a trop de ronds qui se succèdent. Alors lui, par exemple, on pourrait. Hop, 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 hop. Mais c'est le petit gars là que je veux, moi. On peut te mettre là. Tu vas aller là, ou au moins t'as un rond à déplacer, tac tac tac, voilà, tu vas te débrouiller pour prendre tout ce petit monde.
Même si c'est pas assez. On a affaire à un quartier super dense, hein, quand même. Pont 2, bon, prendre un wagon pour le moment, c'est ce qui est le plus urgent. Toi, je sais pas si t'as chargé tout le monde, mais dans pire, c'est pas grave. Alors, le reste, ça a l'air d'aller. Là, c'est bon, là, c'est bon. On va remettre du monde sur cette ligne-là. Hein. Voilà. Comme ça, on pourra les déplacer après. Là, il n'y a plus personne à transporter. C'est plutôt cool. Ça transporte beaucoup de monde d'un coup. Bon, on peut accélérer. Sans souci. Hop, hop, hop. C'est pas mal tout ça, dites-moi. Ah, alors. Bon, ça tombe bien, c'est la ligne où il y a trois wagons déjà, donc c'est pas très grave si on la rallonge. Ça fera l'affaire. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres formes dans ce coin-là quand même, parce que ça nous aiderait un petit peu. Et là, on a un souci par contre. Alors, réfléchissons. Parce que si je mets la ligne jaune ici, et ça peut être problématique. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? On n'a pas d'autres lignes supplémentaires là, non? À moins que celle-là. Bah, comme elle n'a pas forcément d'intérêt pour le moment, tac. On peut lui dire de faire un truc comme ça. Et toi, tu vas directement. Alors, tu vas aller là, tu vas décharger ton petit monde et aller là après. Ouais, ça me paraît être pas mal. On raccourcit le vert, on rallonge le bleu légèrement. Non, non, bon, il y a le même nombre de stations, donc c'est bon. C'est juste un petit peu plus long en termes de distance, mais voilà. Bah, franchement, les stations, c'est pas idéal. Par contre, là, ça pose problème visiblement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Pas sûr que ça soit idéal, mais bon. Oh. Bah oui, bien sûr, ça servira à rien du tout, mais c'est pas grave. Une ligne, voilà, ça devrait nous aider un petit peu parce que bon. Bah après, si on met tout notre potentiel sur cette ligne en bleu, ça peut être intéressant. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, du coup, on va en rajouter un là. Voilà. Et la dernière ligne, on la garde en secours, on va dire. Bon, il y a déjà 4 du coup, 4 locomotives sur cette ligne bleue, donc on fera pas mieux. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle par contre. Un petit triangle ici, c'est plutôt pas mal. Et on pourrait éventuellement. Non, on peut pas la simplifier parce que là, faut qu'il passe obligatoirement par là. Ok. Ouais, c'est pas trop mal pour le moment. Après, on appréhende toujours où est-ce qu'ils vont mettre la ligne suivante, la station suivante. Ah, là, il y a du monde qui commence à attendre. Ça, c'est pas une super, super nouvelle, par contre. Ouais, c'est même pas terrible du tout. Parce qu'il est pas passé. Enfin. Ah, mais je vais pas pouvoir rallonger les stations indéfiniment non plus. Ah, il y a du monde qui attend. Ah, mais non, je l'ai pas vu! Mais je l'ai pas vu! Mais non, mais non, mais non, mais non! Je vais rager, je vais rager! Vous connaissez certainement la vidéo de l'allemand là qui balance son clavier là. Bah, voilà mon état actuel. Bon, même si en vrai c'est un sketch hein, ce qu'il fait, mais. D'ailleurs, à ce propos, si ça vous intéresse, il y a une vidéo. C'est la chaîne de Paul qui s'appelle, qui a fait une vidéo sur cette personne-là qui est très très intéressante et qui explique bah, son histoire. Et donc, que c'est une grosse mise en scène en fait, et que ce qu'il fait et ce qu'on a pris pour un comportement un petit peu extrême, c'est juste ni plus ni moins quelqu'un qui fait un sketch. C'est assez. Voilà. C'est-à-dire que bon, ça lui a pourri la vie à cette personne-là, ce sketch, parce que ça a été médiatisé comme pas possible. C'est encore utilisé, je pense, aujourd'hui pour soi-disant montrer
la violence que peut développer le, comment dire, la le fait de jouer aux jeux vidéo. Ce qui est complètement une grosse bêtise, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est comme ça que les médias ont pu percevoir cet homme-là. Je vous mettrai un petit lien dans la description, tiens, voilà, si, de cette vidéo justement qui vous explique l'histoire de ce jeune homme, et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Voilà. Bon, retournons à nos affaires. Alors, notre réseau est très joli, hein. Franchement, y a rien à dire là-dessus. Après, je suis pas sûr qu'il soit super super efficace. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le reparte de zéro. On garde celui-là et on pourra comparer une fois qu'on déciderait d'arrêter le réseau maintenant et quand on le refera. Et quand on le refait, quand on va le refaire tout de suite. Voilà, j'ai du mal ce soir, j'ai du mal. Alors, on va tout virer, tac tac tac, tac tac tac, voilà, comme ça il y a des petits gens qui vont s'accumuler. Hop, 41, donc là on descend forcément au niveau passager. Alors, voyons voir la répartition de nos symboles. Donc, on a les carrés qui sont là, les zones spéciales un petit peu ici, quelques triangles de temps à autre qui vont être en fait, je pense, des nœuds de notre réseau. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, enfin, en tout cas, tous les triangles que vous voyez ici, celui-là, celui-là, et éventuellement, non, peut-être pas celui-là aussi, voilà, ces trois-là, ça va être des sortes de nœuds du réseau. Et il va falloir avoir des crans transversales qui viennent ici. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première ligne mouse costaud avec max de, avec tout ce qu'on peut. Hop, hop. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a une alternance des symboles qui est pas presque parfaite, mais si, c'est un peu ça. Hop, hop. Et éventuellement, si on nous rajoute d'autres stations là-haut, on pourra les relier. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on fait exactement ce qu'on a dit. Un nœud au niveau du triangle. Là, ça va être un terminus plutôt. Là, on va pouvoir faire un autre nœud ici. Tac, 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 et tac. Jusque-là, on est plutôt bon. Alors, ensuite, ce carré-là, faudrait qu'il soit relié tout de suite à une multitude de ronds. Sachant que vous voyez qu'il y en a plein ici, donc il va falloir faire assez attention. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va pas se remettre sur un triangle tout de suite. On va aller là, là. On va faire comme ça. C'est pas idéal, mais bon, je pense que ça va marcher. Ensuite, donc il nous reste. Vous voyez qu'avec trois lignes, on a desservi quasiment l'essentiel des stations. Maintenant, on va pouvoir doubler et vous voyez qu'on a bien fait notre nœud ici. On n'a pas fait notre nœud ici, mais c'est pas très très grave de toute manière. Ouais, pas grave, c'est dit. Bon, ça peut être pas mal, ça comme ça. Moi, j'aimerais bien faire comme ça, mais bon. Hop. Je suis pas très convaincu par cette ligne-là, hein, très honnêtement. Très honnête, mais bon, ouais, non, c'est pas du tout, c'est non, c'est pas terrible parce qu'elle est pas du tout en lien avec un carré, donc est-ce qu'il vaudrait même pas mieux faire quelque chose comme ça, tac tac tac, ouais, sachant qu'il n'y a plus de rond par là, ah, on va faire ça. Bon, c'est pas idéal, hein, mais non, ça me convient pas. Alors, du coup, on va faire autrement. Ah, c'est pas facile là pour le coup. Avec la configuration qu'on a, c'est pas très facile. Alors on va partir d'ici. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc ça c'est bon. Ensuite, faudrait qu'on vienne desservir ces stations là. Sachant que celle-ci c'est censé être un nœud. Non, pas celle-ci. Ça c'est bon. Alors du coup, c'est faire des quelques zigzags. Si je fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça manque peut-être un petit peu de correspondance. Genre ici par exemple. Mais là, ça. Ah, comme ça, c'est un peu mieux. On peut déplacer, ouais. Vous imaginez ça, genre d'un petit clic de souris. Bon, alors il y a un tunnel là.
On va le déplacer de 10 mètres un petit peu plus sur la droite. Hein. Vous agissez directement sur la ligne. Bon, bref, passons. Alors, il nous reste 3 lignes, sachant qu'on va avoir que des véhicules doubles sur celle-ci, là, à mon avis. Et après, des véhicules simples. Et là, bon, c'est que des ronds. C'est un peu chiant. Ah, si, il y a cette station-là qui est importante de desservir. On va faire un truc comme ça. Hop. Hop, une sorte de... d'arc. Là. Et faudrait que ça vienne sur un carré. Un carré. Celui-là, ou l'autre au fond. Ouais, ça serait plus logique que comme ça, parce que je crois pas qu'on ait des lignes qui se croisent sans qu'il y ait une station en réalité. Donc, faudrait que je regarde un plan du métro de Paris. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a un croisement entre deux lignes, il y a une station. Ça me semble assez évident. Il nous reste deux lignes, mais à vrai dire, on n'en a pas forcément l'utilité pour le moment, sauf si on fait un truc comme ça. Et au niveau de l'expansion, celle-ci, on peut la prolonger par là. Et éventuellement, on pourra faire une autre ligne qui passe... Il n'y a pas beaucoup de trajets, par exemple, sur la juste là. Ouais, bon, on va tester avec ça. On va rajouter nos véhicules, donc 1, 2 et 3 autres, donc on en a 4. On va tout de suite lui mettre suffisamment de... Ouais, pour le moment ça va en vrai. Hop, comme ça. Et il est où le dernier là, qui doit avoir... Il est là. Comme ça, donc ils ont tous un wagon. Ensuite, la ligne rouge, on peut lui en rajouter un sans problème. Celle-ci, on va lui en rajouter un aussi parce que ça va être un petit peu juste. On va même lui en rajouter deux. Et sinon, on va rajouter un sur les autres. En vert, la bleue, ouais, bon, c'est à peine nécessaire, mais on le fait quand même. Elles ont toutes au moins deux là, donc on en rajoutera un troisième sur la rouge, mais pour le moment, on va relier cette station là au reste avec voilà cette ligne là, et puis il n'y a plus qu'un pas avant qu'on puisse faire le tour. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas en rajouter un de plus, hein. Donc bon, celui-là on va le mettre sur la rouge, voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que les passagers arrivent, parce que là, pour le coup, vous voyez qu'il y a très peu de gens quand même dessus, qui attendent. Les stations sont pas très remplies. Du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, on essaye de monter jusqu'à 75. Wagon, allez, hop. Ça va monter assez vite à mon avis. Toi, tu vas aller à des carrés. Donc ici, alors, faut trouver une ligne qui est à peu près pleine. C'est un sacré challenge. Le bleu, c'est bon. Le vert, tiens. Le vert, elle est longue et... Ouais, on va lui rajouter un véhicule. Là, on va jusqu'à 75 et puis on y sera après. Là, c'est bon. Comme une bonne alternance, je pense que c'est pas mal. En fait, c'est ce que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure, ça. Hop, allez, là, on en rajoute un, tac. Vous allez voir, ça va aller assez vite, hein, 75. Très facile. Hop, on rajoute un sur le rouge. Avec le prochain, on fait une nouvelle ligne. Comme ça, on sera, espérons-le, un peu plus efficace encore. Hop. Bon, on pourrait déjà la faire, on peut réfléchir tout de suite. Alors, dans l'idéal, il faudrait desservir... Il doit y avoir une étoile, quelque part. Elle est où l'étoile? Je la vois pas. Ça, ce petit plus, il est où? Ah, il est là. Ah, bah si, ça, alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est ça, déjà. Ça, c'est une bonne idée. Et on va essayer de desservir un peu mieux ça, sachant que on va utiliser notre dernier tunnel. Hein. Faut en être conscient. Ouais, lui, en soit. On va l'utiliser avec des ronds. Donc là, vous voyez que c'est ça attend vachement pour aller à l'étoile. Donc à la limite, ouais. Hmm.
Rajouter de la fréquence sur la ligne bleue. Tac. Et donc on a dit qu'on faisait une autre nouvelle ligne. Tac tac tac, la jaune elle est en correspondance avec la bleue, elle est en correspondance avec toutes a priori. La verte, est-ce qu'elle est en correspondance avec toutes? Ouais. De toute façon, il y a au moins une correspondance ici, et puis après. Bon. Allez, on va se prendre des ponts. Ah bah on avait passé l'objectif. Oh, trop facile. Non mais sérieusement. Allez, on se fait nos deux dernières. On recommence. On se fait nos deux dernières lignes. Vite fait là. Hop. Allez, on fait une ligne avec que des ronds. Que des ronds, que des ronds, que des ronds. Qui ne fonctionnera jamais du coup, mais c'est pas grave. On va lui mettre max de capacité. Il est où le deuxième? Là, voilà. Et la dernière, bah, faudrait peut-être qu'on ait des wagons pour ça, mais par exemple là, on peut pas faire ça. Donc, bah, vous regardez ce qu'on va faire. On va faire tac, triangle, rond, triangle. Et est-ce qu'on peut mettre? Oh yes, on peut la rajouter. Oh. Avant, on pouvait pas. Je crois qu'il y avait une limitation sur le nombre de lignes qui pouvaient arriver à une même station. Oh, c'est génial ça. Et, oh, en réalité, il faudrait que ce croisement soit sur le carré. Bon, alors après, c'est facile à faire, hein. Suffit qu'on fasse ça. Alors, ça, on va le mettre sur cette ligne-là. Tac. On va lui mettre un petit machin en plus. Truc sur lui celle-ci aussi, ouais puisque là c'est plein et j'ai envie d'essayer un truc tac comme ça est-ce qu'on peut toutes lui faire ça? Ah non on peut pas. Ouais mais je sais bien ce qu'il me semblait, il y a une sorte de limitation un petit peu, mais ouais pour le un nombre un même nombre carré alors du coup ça enlevire. Ouais, c'est juste pour tester. Voilà, c'est bien. Et ça, c'est pareil. On va laisser ça comme ça. Et en vrai, il n'y a qu'une seule ligne qui passe pas par ça. C'est trop bête, hein. Vous trouvez pas? C'est déjà beaucoup. Bien. Bon, et ben écoutez, on va aller voir nos petites statistiques. Parce que bon, on va pas aller beaucoup plus loin. Hein. C'est très bien, on est arrivé à 100. Je pensais pas qu'on arriverait à ça. Moi, je vais aller voir les stats. Voilà, les petites statistiques. Capacité utilisée. Bon, ça, c'est du graphique. Non, c'est pas ça que je veux voir. C'est. Je crois que c'est ça. Ah, oui. L'évolution de notre réseau. J'adore ce petit film. Hop, hop, hop. Allez, hop, on a tout rasé. Tac, tac, tac. Voilà, on a grandi, on a grandi, on a grandi. Tac, 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 on rase tout une nouvelle fois et on recommence. Et au final, si vous regardez ce réseau-là et celui-là, on n'est pas si loin. Hein. Regardez la ligne violette ici, c'est plus ou moins la ligne jaune là. La ligne rouge, ah, c'est pas tout à fait la ligne verte, en tout cas, c'est la ligne verte dans un premier temps. La ligne bleue correspond à un bout de la ligne jaune. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas du tout les mêmes réseaux. Bon, on va pas essayer de chercher les ressemblances, il n'y en a pas tant que ça. Bien. Bon, allez, ça sera donc tout pour ce 19e épisode. Du coup, je vous dis pas la prochaine ou quoi que ce soit. Enfin, c'était le dernier ou j'en sais rien. On verra ce que ça va donner. J'aime beaucoup ce principe de qui, enfin, le fait qu'il rajoute des cartes comme ça de temps en temps, c'est assez cool. Donc, bah, je vous dis à un jour, certainement, pour un nouvel épisode sur Mini Metro. Et puis, même si il n'y a pas de nouvelles cartes, on en fera certainement parce que je trouve ça, bon, voilà, c'est toujours un petit moment de détente. On peut parler de tout et rien. Ça, c'est cool. Bref, merci d'avoir regardé ce 19e épisode et je vous dis à très bientôt. Donc, ouais, pas à très bientôt. À bientôt, à un jour pour, eh bien, un nouvel épisode. Merci et à bientôt.